Bonsoir, Sébastien, Laurent et Mehdi. Oui. Donc vous êtes le réalisateur d'un film qui se présente à Cannes. Oui. En compagnie de vos deux acteurs principaux. Exactement. Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est le film s'appelle Fracture. Et vous avez effectivement les deux interprètes principaux, dont le rôle de Adam qui est joué par Mehdi et le rôle de Sam qui est joué par Laurent. Voilà. Et ça parle de quoi? C'est alors dans l'univers de la psychiatrie. Donc Adam est une personnalité schizophrène, ou en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer, et il voit des choses. Il interprète un petit peu la réalité à sa façon, et le personnage qui l'incite à, je vais dire, imaginer cette réalité est joué par le rôle par Sam, qui est interprété ici par Laurent. Et au festival du film policier à Liège, vous avez une intervention ou une projection? Ici pour le festival de Liège, non, parce que comme on avait présenté le film à Cannes souhaite l'exclusivité. Et donc on ne pouvait pas présenter le film ici puisque c'est un festival international également. Et vos acteurs principaux, comment vous les trouvez? Exceptionnels. C'est pour ça que vous les prenez? Exactement. Non, ils ont été exceptionnels. C'est vrai que Laurent est un petit peu plus vu grâce à la pub vous, mais je tiens quand même à signaler aussi que Mehdi a fait la publicité Chaux Fontaine, qui est passée pendant un certain temps, il y a combien de temps maintenant 4 ans, je pense, voilà. Qui avait passé cette pub-là, ouais, avec la pieuvre. Donc, je me suis servi de la publicité pour engager mes deux acteurs principaux. Mais voilà, donc c'est une superbe aventure, et je vais dire que travailler avec eux deux, ben, j'en demande... À refaire. À refaire à 100 fois, 1000 fois. Mais on va leur demander leur avis. Voilà, exactement. Pardon ? On va demander votre avis. Excusez-moi, mais... Vous êtes... On veut avoir votre avis, si c'était à refaire. À refaire avec l'équipe. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ces deux personnages, Mehdi et Sébastien, sont venus l'année dernière au festival. J'étais ici et ils sont venus me trouver. Ils m'ont dit « Ah Laurent, bonjour, on se connaît pas, mais j'aurais parlé d'un projet. » Et bon, il y a des gens comme ça qui viennent et qui parfois ils vous disent « Ah, ben, j'ai un projet, mais c'est pas assez convaincant. » Et eux, ils avaient déjà, enfin, en tout cas, Sébastien avait déjà une idée très précise de ce qu'il voulait en tête. Alors, il avait Mehdi aussi, et ils étaient assez convaincants, et ça m'avait plu. Donc, moi, ils m'ont parlé d'un truc, tiens, est-ce que tu serais d'accord? Moi, j'ai dit oui, ça peut être sympa, parce qu'on ne sait pas toujours vers où on va. Et en fait, 3-4 mois plus tard, on s'est recontacté. Il m'a dit oui, mais écoute, ça prend du temps. Voilà, donc ça, c'était fin avril l'année dernière. Et fin novembre, il m'a rappelé, il m'a dit écoute, il y a une lecture au mois de décembre, c'est partant, on tourne ça au mois de janvier, est-ce que c'est bon? Ben, j'ai dit oui. Et l'aventure a commencé. Et l'aventure a commencé, et on ne sait pas vraiment vers où on va. Donc voilà, alors on a activé le script, c'est très chouette. Sébastien savait très bien ce qu'il voulait, et on a fait confiance, on est parti, et ça s'est fait. Alors il a dit, moi mon pari c'est de le présenter à Cannes, on sait pas si on arrivera, voilà. Et moi je lui ai dit, à la fin du tournage, écoute, t'as déjà réussi ton pari parce que t'as fait ce que tu voulais, t'es optimiste, t'as bien fait les choses. Et voilà, et alors... Maintenant rendez-vous avec le tapis rouge. Pardon ? Maintenant c'est le rendez-vous avec le tapis rouge. Oui, voilà, et c'était un pari, et je lui ai dit, écoute, quoi qu'il arrive, ben, t'as réussi tes choses parce que t'as réussi à faire ton court-métrage. Et ce qui s'est passé, il a envoyé un premier teaser, et je me suis dit, tiens, allez, c'est pas mal. Et puis on a été privilégié, on a vu le montage, on a vu le final. Et on s'est dit, tiens, allez, c'est sympa. Maintenant, bon, on est toujours soumis au désir des autres, mais ça a réussi, donc voilà. Et Mehdi, qu'est-ce que ben, je confirme, c'était une très belle aventure. Et on ne regrette pas du tout, Sébastien et moi, d'avoir accosté M. Delia. Parce qu'au final, voilà le résultat, hein, on est quand même à Cannes, donc c'était une bonne aventure. Et, Un bon début. Et de carrière une bonne, oui, un bon début, ça c'est clair. C'est concret, ça c'est sûr. Et pour le reste, oui, une bonne continuation, hein, je l'espère. Ouais. Alors, on vous souhaite que du succès, et à très bientôt peut-être. Avec grand plaisir, merci beaucoup. C'est gentil.